Que ce soit au sein des familles, à l'école ou encore dans le monde de l'entreprise, l'hypersensibilité est encore mal connue dans la société. Jacques Tunga, maître en psychologie du développement et enseignant à l'université Omar Bongo, explique cet état émotionnel. Dans hypersensibilité, vous avez d'un côté hyper et vous avez sensibilité. Il y a la sensibilité d'un côté. La sensibilité, c'est ce que l'on ressent, comment on se comporte vis-à-vis des autres. La sensibilité, c'est ce qui nous permet de pouvoir tisser des relations, des bonnes relations avec nos semblables, notre environnement, notre entourage. En psychologie, l'hypersensibilité peut être considérée comme un trouble de la personnalité, vivant chaque événement avec une grande intensité émotionnelle. Est-ce une maladie ? Oui, je vous dirais que nous, en psychologie, il y a ce qu'on appelle trouble. C'est-à-dire que nous avons le normal d'un côté, et la norme de l'autre. Ça signifie qu'évidemment l'individu a des difficultés. Enfin, ça fait partie de ce qu'on appelle les troubles de la personnalité. Comment ça arrive ? Ben, nous avons chacun de nous une histoire. Nous avons chacun de nous une éducation. Nous avons chacun de nous vécu dans des sphères différentes les uns des autres. Même si vous êtes dans la même famille, les différentes relations qu'on a entretenues les uns avec les autres ne sont pas forcément les mêmes. Tout cela fait de nous que nous puissions être hypersensibles ou trop sensibles. Le comportement d'un hypersensible est souvent perçu comme disproportionné ou excessif face à certaines situations. Donc l'hypersensibilité va se reconnaître par le fait que l'individu, on a l'impression qu'il va s'adonner aux autres à l'excès. On se dit qu'il abuse, on se dit que bon voilà, il veut tout faire pour essayer de redorer le blason, pour se faire plaire. Non, soit c'est pour mieux se faire voir, soit c'est pour mieux se faire apprécier, soit c'est pour essayer de vouloir passer pour celui qui peut tout, qui sait tout, alors qu'en réalité, ce n'est pas de sa faute. Ça fait partie des troubles psychologiques. L'hypersensibilité émotionnelle reste un trouble de la personne qui peut être guéri selon les spécialistes, surtout si l'on parvient à contrôler ses émotions.